toutes et à tous, nous sommes en Bretagne, à quelques kilomètres de la mer, dans le golfe du Morbihan. Le parcours que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est celui de Saint-Laurent, classé parmi les 40 meilleurs golfes français. Notre invité du jour, c'est Armel Lecléache, bonjour. Bonjour. Célèbre navigateur et skipper professionnel, qu'est-ce qu'un loup de mer vient faire sur un terrain de golf? En fait, j'ai commencé le golf il y a 2 ans, et puis finalement, ça m'a donné envie de continuer parce que je trouve sympa de justement de couper un peu avec le milieu marin, ouais. D'être sur la terre, de même côté nature quand même toujours, mais voilà, de pouvoir prendre un peu de plaisir sur les golfs, même si c'est pas toujours facile. Après 2 ans, c'est quoi votre niveau aujourd'hui? Alors mon niveau, bah, il est handicap 26 au jour d'aujourd'hui, donc voilà, je progresse, j'ai commencé les compétitions cette année, donc tout doucement. Entre les navigations, les entraînements bien sûr, mais j'essaie de prendre du temps un petit peu pour ça, et voilà, j'essaie de surtout prendre du plaisir sur le parcours et puis de continuer à progresser. Voilà, donc celle-là, elle est partie bien à droite. Donc je vais mettre une balle provisoire. Voilà. Celle-là est bien. Celle-là est bien. Voilà. Est-ce que le golf, maintenant que vous le pratiquez, vous pensez que ça va vous aider pour le Vendée Globe ? Passer d'un coup à l'autre, ouais. Donc se dire que par moment on peut faire des mauvais coups stratégiques sur l'eau ou des bons coups. Donc, pour ça le golf, ça me permet, la préparation mentale notamment, d'arriver sur les courses comme le Vendée Globe avec peut-être un mental un peu plus fort. D'accord. Et est-ce que vous allez emmener un club et des balles pour vous entraîner sur le bateau? Parce que vous allez être des semaines sans pratiquer le golf. Ouais, alors c'est vrai que du coup je vais malheureusement pas pouvoir jouer au golf pendant 3 mois au moins. Donc je vais pas amener le club, par contre je vais peut-être amener une ou deux balles, peut-être des balles que j'aurais bien jouées sur un bon parcours ou un bon coup qui me porterait chance pour le Vendée Globe. Bon Armel, le mental a été plutôt bon, on parlait de mental, on est pas mal là? On est pas mal, on s'est rapproché du green et c'est vrai qu'un deuxième coup à 50 mètres du drapeau, donc voilà une approche qu'il va falloir bien négocier parce qu'il y a un bunker avant le green, donc voilà, il va falloir passer par-dessus et puis essayer de se placer correctement sur le green. Hey. C'est pas mal. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Un petit peu long, mais c'est pas mal. Allez, go. Sur le green. Bon, de toute façon, on connaît votre surnom, hein. Le chacal. Celui qui lâche jamais rien. Voilà, c'est ça. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est comme au golf. Quand on n'a pas mis dans le trou, ben voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc là, je vais essayer d'aligner ma tête de club avec le trou et la balle. Voilà, pour essayer de me rapprocher le mieux possible. On est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est bien, ça me donne un deuxième coup, un deuxième putt qui est normalement devrait rentrer. Qui semble abouti après. Voilà, trop de points. Et la patience paye. Parfait. Armel, on est avec Dominique, le pro du golf de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors je crois que vous vouliez travailler les approches roulées. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dominique? Alors, Armel. Pour réussir ce petit coup qui est très fréquent à jouer, puisqu'on n'atteint pas toujours le green du premier coup, donc on se trouve un petit peu en bordure de green, donc je vais vous proposer une bonne position pour pouvoir réussir ce coup. La position va nous permettre de raser la terre après la balle. Pour ce faire, on va se mettre en place. Allez-y, Armel. Vous allez placer la balle un petit peu à l'intérieur de votre pied droit. Voilà, n'écartez pas trop les pieds. Laissez maintenant le manche et la main gauche venir vers la cuisse gauche. Voilà, nous avons maintenant la bonne position. Voilà. Et maintenant, je vous propose de raser la terre à partir de cette position. Allons-y, Armel. Un peu plus, on va raser un peu plus la terre encore. Oh, là, on va être très bien. Allez. Oui, super. Allez, confiance, Armel. Parfait.
On est plus que parfait. Oui. Nous avons fait 10 cm parce que nous avons touché le sol un tout petit peu avant la balle et pas suffisamment après la balle. Donc il faut la toucher quand? Dites-nous bien. Je vais prendre la balle. Vous voyez, la balle, si je la mets sur le pied droit, le manche va être très légèrement avancé sur la cuisse gauche. Donc mon idée maintenant, c'est que je peux raser la terre et donc prendre la balle dans la descente du club. Ok. Alors que toute intention de joueur, c'est de se dire, pourvu que je la soulève bien, c'est je ça. La touche bien. C'est l'erreur. Là, elle ne décolle jamais. Voilà. Deuxième chance. Allez, c'est parti. Donc, bien balle pied droit, main vers la cuisse gauche, très peu d'écartement de pied. L'élan n'est pas nécessaire. On rase la terre après la balle, Armel. Bravo, Armel. Là, il y a du talent. Bravo. Il y a du talent. Je le conçois, il y a du talent. Merci, le pro. Vous avez un petit creux? Ça tombe bien, c'est l'heure de la pause gourmande de Raphaël. Bonjour. Merci de votre accueil. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Y va. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire? Alors, ce que je vais préparer là. Je vais faire mon petit turbo là. Les petits turbos de petits bateaux. Ok. Petit turbo de petits bateaux. Poivre des cimes. Crémeux. De tétragone, l'épinard d'été. Fantastique. Et pêche blanche. Et un petit commis? Un petit peu de beurre. Tartiner le. C'est du beurre demi-sel. Ok. On tartine le turbo. Beaucoup? Oui, on peut. On est en Bretagne. Hein. Faut être généreux. Un petit peu de poivre des cimes. Donc là, on parsème légèrement sur le poisson. C'est un poivre qui est légèrement. Qui est très floral et sur des notes d'agrumes. Donc ça vient du Vietnam. Donc ça, je l'ai mixé. Parce qu'il donne vraiment une touche. Un petit côté exotique. Okay. Là, bien entendu, un petit peu de sel. En plus du beurre demi-sel? Toujours. Ah ouais? Pourquoi? Le beurre demi-sel, c'est la Bretagne. Ça va permettre de protéger le poisson, ça fait une petite couverture sur le poisson, et le nourrir. Okay. Le beurre va complètement fondre, donc finalement le sel va pas rester sur le poisson. L'excédent va venir sur les côtés. C'est pas bon. On va prendre une pêche blanche, alors je les prends pas trop mûres pour vraiment rechercher l'acidité. D'accord. Merci, j'adore. C'est pas cuit, ça cuit à 70 degrés. C'est un bouillon tiède qu'on verse sur le couteau décortiqué. Ce qui est intéressant et ce que j'aime bien montrer, alors je sais pas si on va le voir. La vidéo, ici on regarde, on a une légère nacre. Ah oui, ça brille. Le petit côté arc-en-ciel. Ouais. Donc ça, on va le retrouver quasiment sur le poisson. Et généralement, quand on est arc-en-ciel, on commence à être arc-en-ciel à cœur, on est cuit. Si j'étais vos clients, je dormirais ici. Tout de suite, on retrouve l'équipe du Tigre Yoga Club pour notre bulle bien-être. Aujourd'hui, j'utilise une balle de tennis, car je n'ai pas de balle de golf, donc vous, ça peut bien jouer avec aussi, d'accord? Alors, positionnement, le gainage, la planche est un exercice de base que tout le monde connaît. Vous allez placer vos avant-bras au sol.
Ok, vous allez essayer de faire en sorte que le coude et les épaules soient alignés. On garde la position fixée. Si vous avez besoin, vous écartez un petit peu plus les jambes pour avoir plus de stabilité, les talons poussés vers l'arrière. Le travail consiste à prendre la balle, la poser et la récupérer. Et croiser à chaque fois. Pensez bien à une chose, lorsque vous travaillez, ne rentrez pas la tête dans vos épaules. Cherchez plutôt à vous grandir, cherchez à rester grand et à rester solide sur les bras et solide sur les jambes. On récupère sa balle et on vient croiser sous le bras. Hop, on pose, on reprend, on change de côté. On essaie surtout de se concentrer sur la stabilité de sa hanche. Ne laissez pas le bassin bouger, gardez-le solide, serrez les abdos, rentrez le nombril pour éviter de compenser sur les lombaires. La position est faite et je continue. Hop. Pour commencer, vous pouvez travailler sur 10 répétitions, c'est-à-dire 5 de chaque côté. Et vous maintenez. Et on reste solide. Si vous voyez que cette position ne passe pas trop, vous pouvez croiser un peu. Ça vous aidera à avoir un peu plus de stabilité. Pareil, hop, je croise. Hop, je croise. Et en même temps, ça vous fera travailler légèrement sur la rotation, donc un tout petit peu aussi sur les obliques. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice de gainage vous sera utile. Merci et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Zadie et j'ai 10 ans. Je m'appelle Gauthier, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Je m'appelle Marin, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 10 ans. Alors les garçons, le défi Sogreen TV, c'est simple. Vous avez des tis. Le premier qui réussit à mettre dans le trou, vous passez au tissu. Et si vous n'y arrivez pas au bout de tour, et ben c'est terminé. Donc je compte sur vous pour réussir à aller le plus loin possible. Garçon, là on est à quoi? On est à 2m50. Paulie, j'aime bien les tis. Avec Olivier Charmon, bonjour. Bonjour. Décrivez-nous en quelques mots votre golf. Saint-Laurent, c'est un golf qui a une réputation de parcours long, hein, puisqu'il fait plus de 6000 mètres. Ouais. C'est un parcours dans les arbres, avec des fairways assez étroits. C'est un parcours qui a une renommée de parcours difficile. Alors nous, notre boulot, c'est aussi de pouvoir accueillir un maximum de joueurs. Sûr. Parce qu'il n'y a pas que des très bons joueurs, il y a aussi des joueurs moyens qui ont besoin de jouer dans des conditions pas trop difficiles. Donc on essaye d'avoir des roughs courts, de dégager quand on peut, d'avoir des départs propres, de dégager quand on peut les zones à rough, à risque, donc pour pouvoir offrir un produit ludique, simple et utilisable par un maximum de joueurs. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite sur un nouveau parcours. En attendant, vous pouvez découvrir toutes nos vidéos sur notre site sogreentv.com et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos suggestions sur notre page Facebook. Bye bye!